catalan, architecte, et maintenant je suis à peu près full-time dans la robotique éducative, il y a plusieurs années déjà, et j'enseigne surtout maintenant des professeurs, mais parfois je vais dans des labs de tumeurs, partout. Chaque fois que je fais un lab, c'est un rêve, parce que je ne sais jamais le résultat, parce que le résultat dépend complètement de ce que les enfants font dans leur projet. Je laisse qu'ils fassent les projets qu'ils ont envie de faire et je les aide quand ils ont des problèmes ou je les aide point de vue de l'organisation du logiciel, la construction aussi. La construction, c'est parfois vraiment difficile avec les Lego, avec des engrenages, etc. C'est-à-dire les ateliers de robotique, ils ont beaucoup de choses qui les font très attractifs dans plusieurs points de vue. Le premier pour moi, c'est qu'ils aident à réfléchir ou à penser logiquement. Je crois qu'à l'école, il y a très peu de matières qui réellement offrent les enfants la possibilité de penser logiquement. Mais c'est vrai que parfois la réponse, elle est très immédiate. En plus, on apprend en faisant. Tu apprends à construire. Une fois que tu as construit, tu essayes de programmer le robot. Parfois, tu te rends compte que la construction n'est pas bien, alors il faut la changer. Et c'est un procès de tâtonnement pour trouver la meilleure solution. Le premier jour, les premières heures du lab, on commence à faire un petit robot qui se déplace et qui commence à prendre des décisions en fonction des couleurs qu'il voit. Un robot qui suit une ligne, par exemple. Avant, je voulais que tous les élèves apprennent la même chose et j'étais très prescriptif dans les premiers jours. Mais maintenant, je les laisse parce que je me suis aperçu qu'ils vont apprendre ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Ensuite, le deuxième aspect, moi, je me souviens quand j'étais à l'école, on appelait mes parents à la maison et ils disaient « votre fils, il rit beaucoup en classe ». Et mon père, il disait « est-ce qu'il va mal? Est-ce qu'il y a un problème ?» Non, seulement qu'il rit beaucoup. Et ils ne pouvaient pas croire pourquoi ils les appelaient, parce que je riais à l'école. Alors moi, je crois que faire des choses qui sont importantes et sérieuses, on peut les faire en riant. Moi, je crois que apprendre avec des robots, c'est déjà avoir un apprentissage, mais apprendre ensemble et avec d'autres élèves, d'autres compagnons qui ont les mêmes intérêts, c'est encore plus important, plus intéressant. Et Tumon offre cette possibilité.